Quitte à être là, autant nous amuser. Vous préférez toujours le rouge de Russafeld, madame ? Ce serait charmant. Merci, Baccaro. Présentez-vous aux nobles, mon ami. Et souvenez-vous, même les moindres détails pourraient être un indice. Il ne me semble pas vous avoir rencontré. John Mornar, enchanté. Ma famille travaille dans le transport. Nous importons des marchandises depuis le continent et nous en envoyons d'autres depuis l'archipel vers les marchés de Tamriel. Vous êtes l'enquêteuse qui aide Dame Arabelle, n'est-ce pas? La Duchesse a tout expliqué à la cour juste avant votre arrivée. Si Dame Arabelle nous avait consulté, cela se serait passé différemment. Nous connaissons les dangers qui attendent les capitaines imprudents aux abords de l'île Haute. Ces navires étaient simplement mal préparés. Ne me dites pas que vous croyez à ces balivernes d'ordre ascendant, un obscur ordre de chevaliers qui travaille pour renverser les gouvernements de tout Tamriel. C'est une ruse, mon ami, une fiction bien pratique pour protéger le nom irréprochable de la maison du fort. Eléa a gagné sa position en courtisant les faveurs à Haute Roche. Puis elle a donné toutes les apparences de soutenir la Société des Inébranlables du Seigneur Baccaro. Mais de là à faire échouer les négociations de paix et à faire tuer les monarques, quelqu'un doit porter cette responsabilité, et elle ne porte jamais rien elle-même. Ma famille a dominé l'archipel pendant des générations, mais les Dufort n'ont jamais supporté cette mainmise. Ils ont passé des années à empoisonner l'oreille de la cour contre nous. Et lorsque mon oncle Avrip a soutenu le roi Ranser, il y a quelques années, ils ont eu enfin ce qu'ils voulaient. Le haut roi a dépouillé mon oncle du duché pour l'offrir au Dufort. C'était une honte. Nous n'avions pas participé à la guerre de Ranser. Au moins, les Dufort n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Nous avons conservé l'essentiel de nos terres, et cela les ronge. Bonté des divins, non. Cet honneur revient à mon cousin Léonard, et grand bien lui fasse. Je ne voudrais pas d'une telle responsabilité. Non, je me contente de gérer nos affaires ici, sur l'île Haute. Je laisse les considérations globales de nos affaires et de notre maison à mon cousin, le comte. Quel gâchis. Je tolère rarement la vanité de nos maisons nobles. Mais en ce moment, je suis sûr que nous aurions tous mieux à faire. Vous devez être du même avis. C'est bien vous qui aidez le seigneur Baccaro et Dame Arabelle, n'est-ce pas? J'essaie de me tenir au courant des affaires d'État. Mais j'avoue que c'est Eléa qui m'a parlé de vous. Je suis le comte Damar, frère de la duchesse et mage de la cour de la maison du fort. Dites-moi, votre enquête vous a-t-elle permis d'apprendre quelque chose sur une tempête apparue soudainement il y a peu? C'est aussi mon hypothèse. Pendant que ma sœur traque des chevaliers brigands dans toute l'île, je m'interroge sur les druides qui habitent dans les étendues sauvages de l'île Haute. Ils n'ont guère d'amour pour notre culture civilisée. Ils pourraient être mêlés à tout cela. Je pense que cette tempête n'était pas naturelle. Les druides utilisent la magie d'antan et commercent avec les esprits. Ils seraient tout à fait capables d'invoquer une tempête aussi violente. Ils sont plutôt isolationnistes, mais je les soupçonne d'une ruse. Croyez-moi, ce sont vos coupables. La magie est l'héritage des Bretons. Oh, j'ai passé beaucoup de temps à maîtriser l'épée et les arts chevaleresques dans ma jeunesse. Mais je pense que pour être un véritable Breton, il faut étudier les deux moitiés de notre nature. Et peut-être les arts druidiques également. Nous autres Bretons sommes les descendants de Ned et d'Elfe qui se rencontrèrent dans les premiers jours de Haute Roche. La magie est dans notre sang, et nous possédons tous une mesure de pouvoir. Je trouve le sujet fascinant, et j'ai décidé de m'y consacrer. Non, certaines ont oublié nos traditions. Sans mon talent, ma sœur ne s'encombrerait sans doute pas d'un mage. Elle m'envoie veiller aux intérêts des Dufort dans différents ports de Tamriel, au lieu d'exploiter pleinement mes compétences arcaniques. Quel dommage. Le seigneur Baccaro est arrivé, Duchesse, et il est accompagné de Dame Arabelle. Bienvenue à Castelcarac. Vous êtes l'assistante de Dame Arabelle, n'est-ce pas?
Dans ce cas, vous savez que ces festivités ne sont qu'une apparence. Nous n'avons pas encore retrouvé nos invités d'honneur. Soyez certaine que je compte traduire les responsables en justice. J'entends parler de tout ce qui se passe sur mon île. Certes, nous n'avions fait le lien entre les chevaliers mystérieux et l'ordre ascendant que très récemment. Mais maintenant que c'est fait, nous les aurons vite brisés. Dame Arabelle et vous devriez nous laisser nous charger de ce problème. Mes chevaliers ont déjà localisé plusieurs sites de réunion de l'Ordre Ascendant. Ils cherchent nos invités disparus en ce moment même. Voilà pourquoi je préfère m'occuper de ceci en privé. Je soupçonne la maison Mornar d'être derrière tous ces événements. Ils réalisent des bénéfices non négligeables grâce à la guerre et ils en veulent encore à ma maison de surclasser la leur. Franchement, cela ne m'étonnerait pas de leur part. Il convient toujours de se montrer prudent lorsqu'on parle de ses voisins, mais le comte Mornar ne cache pas la rancœur que lui inspire ma famille. Il y a des années, son père soutenait le roi Ranser de Taïmon dans son conflit contre le haut roi Emeric. Emeric ne l'a pas oublié. Il a puni Avrip Mornar en lui retirant son duché pour l'offrir à mon père. Les Mornar restent comtes avec des propriétés et des terres dans tout l'archipel. Mais les ducs des Sistres sont à présent des ducs forts. Ma famille construit des navires. Nos chantiers navals sont parmi les meilleurs des mers occidentales. En récompense pour nos services, le haut roi Emeric nous a attribué le duché des Sistres. Nous gouvernons avec prudence et compassion pour tous, même pour les Mornar. Puis-je vous proposer un rafraîchissement, mon ami ? Vous ne pensiez pas que j'allais rater cette petite soirée tout de même. Écoutez, je tiens de source sûre, enfin d'une femme de chambre très chaleureuse, que la duchesse a enquêté de son côté sur l'ordre ascendant. J'ai un plan. Je ne suis pas Yakarn, je suis le serveur Fred. Je suis déguisé. Je vous ai parlé de la femme de chambre, n'est-ce pas ? C'est l'une des domestiques personnelles de la duchesse. Elle m'a dit où la duchesse conserve ses documents les plus sensibles, entre autres effets personnels. Les nobles et autres bourgeois ne se méfient jamais des domestiques, alors je n'ai eu aucun mal à chiper une clé à ce prétentieux d'intendant Hercian. J'avais provoqué une diversion pendant ce temps à aller jeter un coup d'œil. La duchesse Eléa possède une étude privée dans l'aile nord-est. Je vais faire diversion. Mais j'aurais besoin de votre aide. Parlez à l'un des musiciens et demandez-lui de jouer la chanson « Tanguay baiser ». J'ai toujours aimé cet air. Je me charge du reste. Il vous faut quelque chose, mon ami ? Nous n'acceptons pas de demandes personnalisées. La duchesse Eléa nous a donné une liste des airs approuvés que nous avions le droit de jouer. Et cette chanson n'en fait clairement pas partie. Non pas qu'elle le remarquerait, je ne crois pas qu'elle écoute la musique. Quel plaisir de rencontrer une personne qui apprécie l'art. Très bien, vous aurez votre chanson. Seigneurs et dames de la cour, je dédie cette chanson et cette danse à la plus plantureuse, la plus accorte et la plus voluptueuse des duchesses. La duchesse Eléa. Oh, mais descendez tout de suite. Arrêtez ces âneries. Thank you.
commence aujourd'hui. Rejoignez-nous ou vous serez balayés. Le feu et l'orage abattront les anciens régimes. La poudre et la lave amèneront un âge nouveau. C'était un avertissement. Personne n'est hors de votre atteinte. Écartez-vous, et vous aurez une place dans notre nouveau régime. Résistez-nous, et nous vous briserons. Oh, parfait, vous allez bien. Il semble que nos adversaires ont décidé d'envoyer un message à toute l'assistance. Soumettez-vous, ou vous mourrez. C'est un classique. Avez-vous découvert quelque chose d'utile avant que le Magus ascendant ne fasse son entrée? Je vois. Clairement, l'enquête de la Duchesse n'a pas beaucoup progressé. Nous pourrons peut-être faire meilleur usage des pistes qu'elle a trouvées. Mais nous avons peu de temps à perdre. Le Magus ascendant a fait preuve d'un véritable pouvoir. Avez-vous remarqué comme la Terre a tremblé lorsqu'il a déclenché sa tempête? C'est une magie qui m'est inconnue. Son orage surnaturel provoque aussi des secousses. Au moins, il n'a pas encore trouvé les monarques. Il nous reste un peu de temps. Parce que le Magus ascendant a tout fait pour nous rappeler que nous devons le craindre. Pourquoi se soucierait-il de nous faire peur s'il avait ce qu'il cherchait et que nous ne pouvions plus rien y faire? Non, les monarques lui échappent encore, par chance. Mais sa magie... Entre autres problèmes qui affectent l'île Haute, des jets de lave commencent à jaillir à des endroits imprévisibles. Entre les séismes et les orages, le Magus saurait-il réveiller le volcan? Rentrons à mon manoir pour étudier ces objets plus au calme. Seigneur Baccaro, il n'est peut-être pas prudent de rentrer au manoir inébranlable. Baliverne, je refuse de me cacher de ces crétins. Je vais doubler ma garde, mais ils ne me chasseront pas de chez moi. Très bien. Je reviendrai vous voir. Yakarn, en route. Et enfilez une chemise, mon chou. L'œuvre de l'Ordre Ascendant. Vous leur donnez trop de crédit. C'est un tremblement de terre qui a détruit le colosse de Gonfalon. Oui, un tremblement de terre ascendant. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est mauvais signe, marcheuse. Nous devrions peut-être transférer notre base vers un navire en mer. À ce rythme, je crains que toute l'île ne tombe en morceaux sous nos pieds. J'ai visité l'île Haute à plusieurs reprises au fil des ans. Je n'ai jamais vu le sol si agité, c'est alarmant. Saji aurait-il raison? L'ordre ascendant provoquerait-il ses secousses et ses éruptions? La tempête et le feu, c'est troublant. Si le Magus ascendant peut utiliser une puissante tempête magique contre ses ennemis, commanderait-il aussi les secousses et les fissures volcaniques? L'idée donne le frisson. Alors j'ai raison de m'inquiéter.
La perte d'un monument sera sans doute le dernier de nos soucis si l'ordre ascendant réveille le volcan. Dame Arabelle vous attend à l'intérieur, mon ami. Elle saura peut-être quoi faire. Était-ce trop demandé qu'un des nobles de l'île Haute admette ouvertement sa culpabilité? Eh bien, au moins, nous pouvons éliminer la duchesse Eléa. D'après ses notes, elle a clairement été prise au dépourvu par les attaques contre les navires des délégués. Et cette carte... Intéressant. Si cette carte indique vraiment les sites importants pour l'ordre ascendant, alors cela représente notre meilleure piste. Tenez, mon chou, prenez ceci avec mes remerciements. Si vous continuez de nous aider, nous retrouverons bientôt les monarques et découvrirons qui aide l'ordre. Il le faut. La carte que vous avez acquise nous offre plusieurs pistes pour retrouver la reine Eren, le haut roi Emeric et le prince Yanskar. Comme dit l'investigatrice Val, il y a toujours un autre mystère. Au travail, mon chou. Nous avons un mystère à élucider, mon chou.